Ce dimanche 3 septembre 2023, à la grande salle des conférences de la sous-préfecture, cadre retenu par les responsables de la CEI pour le dépouillement des bulletins de vote. Il est exactement 12h45, le dépouillement est terminé. Place à la proclamation des résultats. Cet événement a eu lieu en présence du Dr Kra Kwadjo-Meza, sous-préfet de la Dictville, des responsables de la CEI locale, des partis politiques et des représentants de certains candidats indépendants sous le regard inquisiteur des forces de l'ordre qui veillent au grain afin de préserver la quiétude des uns et des autres. Des 6 listes en compétition afin de requérir l'adhésion des populations, la liste PDCI-RDA supplantera les 5 autres à l'arrivée avec 63,17% des suffrages, reconduisant ainsi la dite liste pour un second mandat de 5 ans au détriment du RHDP, du PPACI, du MGC et des 2 autres listes indépendantes. A obtenu le MGC du candidat tête de liste Assemia Santé Emmanuel, 251 voix, soit 1,72%. Le groupement politique RADP, représenté par le candidat de tête de liste Adobe Asson Toussaint, a obtenu 2792 voix, soit un pourcentage de 19,13%. Le PDCI, groupement politique PDCI, représenté par le candidat de liste Amétier Kwa Jean-Paul, a obtenu 9220 voix, soit un score en pourcentage de 63,17%. Le PPACI, représenté par le candidat Elidier Ekra Elidier Joseph, a obtenu 1290 voix, soit un pourcentage de 8,84. Le candidat indépendant Teki Kwasi Jean-Claude Marino a obtenu 911 voix, soit un pourcentage de 6,44%. Le candidat indépendant Sanga Asson Frédéric, 50 voix, soit un pourcentage de 0,34 voix. Ce résultat sera consolidé par la CEI nationale dans les jours à venir afin de donner les résultats définitifs. Après ces résultats, voici l'impression du représentant du PDCI-RDA. Vraiment, mes sentiments sont des sentiments de joie parce que, comment dirais-je, je sais que mon candidat est quelqu'un qui travaille pour le développement de Bonnoir. Et nous nous sommes battus pour qu'il puisse les idées qu'il avait en tête, qu'il puisse les achever. Vous voyez, d'ici encore 5 ans, je crois qu'avec Jean-Paul Amétier, Bonnoir va changer de visage. Bonnoir sera tellement beau que les abourrés, les habitants de Bonnoir eux-mêmes, même si mon candidat ne veut plus se représenter, eux-mêmes vont chercher à le mettre parce que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui aime le travail et c'est quelqu'un qui aime Bonnoir. C'est pour cela que nous disons unis, Bonnoir est fort. Je vous remercie.